Salut tout le monde, bienvenue encore une fois sur ma chaîne Belinda Déco et Organisation d'Intérieur. Si votre première fois ici, je vous souhaite la bienvenue. Je t'invite à liker, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes vidéos. Alors, je prends le temps de remercier tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci à mes anciens abonnés également. Je vous fais de gros bisous, je vous dis merci beaucoup pour votre support. Donc, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être un makeover de mon mini closet d'entrée là. Donc, fait que je vais tout vous partager ça. Donc, comme vous avez pu le voir ici, j'ai commencé par mettre les rubans adhésifs pour éviter de salir le plancher. Donc voilà, puis je vais mettre un tapis par la suite. Je vous laisse suivre avec moi tranquillement et je tiens aussi à vous dire que je suis vraiment désolée, j'ai pas pu poster la semaine passée parce que je me portais pas trop bien. Donc je suis vraiment heureuse de vous retrouver encore une fois. Donc voilà, je vous laisse suivre tranquillement qu'est-ce que je vais faire. J'espère que ça va vous inspirer ou ça va vous motiver à mieux arranger votre garde-robe d'entrée. Voilà. Alors, une fois que j'ai terminé de poncer les parties où j'avais bouché les trous qu'il y avait dans les murs, je vous ai pas montré cette partie-là. Donc, j'ai commencé tout de suite, une fois que c'est sec, par appliquer la peinture à l'intérieur de la garde-robe. Donc je vous laisse suivre tranquillement. Si t'es pas encore abonné, tu passes par là, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Belinda, j'avais oublié de le dire au début. Puis abonne-toi, like la vidéo, puis partage-la avec quelqu'un. Je pense que ça peut motiver quelqu'un à faire un makeover ou tiens, à mieux organiser également sa garde-robe. Donc voilà. Alors, cette porte, je l'ai aussi peint parce que, tiens, on va le changer sous peu. Et en attendant qu'on la change, j'applique un peu de peinture pour uniformiser le tout avec les cadres que j'ai peinturés également. Donc, je donne une petite couche sur l'extérieur également parce que mon fils a appliqué, tiens, a écrit par-dessus avec des crayons, là, tiens. Donc ici, j'ai commencé par, parce que c'est comme une garde-robe, c'est multifonction. Je vais également mettre un organisateur pour mes balais. Donc j'ai trouvé ce petit accessoire de rangement là chez Canadian Tire. Donc c'est vraiment pas cher, je pense que ça m'a coûté 5$ pour un paquet qui avait deux dedans. Donc j'en ai acheté deux, donc pour
pour pouvoir installer quatre balais en fait. Donc voilà. Donc je voulais suivre tranquillement. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, à liker et à partager cette vidéo. Et laissez-moi en commentaire vos impressions de cette vidéo. Donc voilà. Alors là, j'ai terminé de peinturer puis de réinstaller qu'est-ce qui était dedans. Donc c'est plus propre puis lumineux un peu. Voilà. Donc ici, j'ai commencé par arranger les bottes d'hiver puis les bottes de pluie dans les bacs que j'ai achetés chez Dollarama à 4$. Donc c'est des petits rangements, donc pas cher, donc voilà, qui sont très pratiques, je trouve. Donc je les identifie avec le reste des étiquettes que j'avais. Si vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo, je t'invite à le faire. Donc ici, je vais juste les installer par-dessus. Donc je vous laisse suivre tranquillement. Ici, comme vous avez vu, j'installe mes balais, donc je les trouve super pratiques, les petits accessoires que j'ai trouvés. Et voilà, donc le tour est joué. Tout est propre et bien arrangé, donc bien identifié, bien étiqueté. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous demanderai de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de la partager avec quelqu'un. Donc on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. Bye bye.